c'était une rencontre assez enlevée, ça il faut le dire, parce que nos amis de Nestlé ne sont pas venus sur la victime. C'est vrai que nous avons été menés depuis la première mi-temps. Et après, on a essayé de voir ce qui n'allait pas. On a juste constaté que nous jouons avec une attaque à 3, mais il y avait une aile cassée du côté de Nubissi. Alors je leur ai demandé, non, on ne peut pas continuer à jouer sur ce registre, on ne va pas s'en sortir. Mieux, on rentre, on joue un 4-4-3, flexible à 4-4-2. Vous savez, j'aime bien la flexibilité au niveau des systèmes de jeu. Et vous avez vu ce que ça produit. En moins de 10 minutes, nous avons eu pratiquement deux pénalties indiscutables. Et aujourd'hui, nous avons cette formation. Il a déjà dit que vous l'avez trouvé. Non, c'est un bon adversaire. Ils sont venus préparer. Vous savez, c'est une équipe d'une entreprise qui se respecte et que nous connaissons. Donc, ils ont tous les moyens logistiques, mais nous autres, nous avons fait prévoir notre foi et surtout la force de l'expérience. Et l'arbitrage. Non, l'arbitrage a été tout à fait correct, ça c'est tout à fait normal, il n'y a pas eu de fantaisie. Vous avez vu que pendant toute la rencontre, heureusement, les arbitres n'ont pas été interpellés d'une manière accusatoire. Ça est déjà, il faut le dire. Donc ça veut dire que dans l'ensemble, on a trouvé que c'était un trio qui était très bien. Dans quel mot alors l'organisation? Vous parlez de quel mot à l'organisation? Non, vous savez, c'est un début. Mais pour le moment, vous voyez que c'était très bien organisé, sans vous dire, mais nous sommes sûrs que prochainement, ils vont s'améliorer parce qu'il faudrait que les rencontres commencent un peu plus tôt pour s'achever également plus tôt. Parce que lorsqu'on joue dans la nuit, le stade n'étant pas éclairé, ça va vraiment créer beaucoup de problèmes. Je vous remercie. C'est plutôt moi qui vous remercie.